Good morning, Aleid Daniel Sisra aujourd'hui, les Lo Nishmat Claude Shlomo Ben Shalom et Lucien Batarina. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, qu'on fait 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechet Sota Perekret Mishnah Dalet. Ve Elu She'en Zazin Mimkoman, Bana Bait Vachanacho, Natakerem Vechilelo, Anose et Arusato, Akones et Yevimto, She'nemar Naki Ihie Leveto, Shana Achat. Leveto, Ze Beto, Ihie Ze Karmo, Vesimachet Ishto, Zo Ishto. Asher lakach, la vie et yevimto, enan mesabkin maim umazon, ve enan metaknin et adrachim. Bon, troisième Mishnah sur le sujet, sur les gens qui ne vont pas revenir, qui partent en guerre. C'est-à-dire, on rappelle, lorsqu'on partait en guerre, pour les Mechemet Arishut, on partait en guerre, et là-bas, on exemptait de guerre plusieurs personnes dans trois domaines, ceux qui avaient construit une maison, ceux qui avaient marié une femme, ou ceux qui avaient planté un verger. Et maintenant, dans nos Mishnayot, on a appris, on avait déjà introduit, qu'il y a trois sortes de personnes. Il y a des gens qu'on ne va même pas les appeler. On va les laisser chez eux tranquillement, on les appelle même pas pour venir. Il y a des gens qu'on va les appeler pour venir à la guerre, mais lorsqu'ils vont être à la guerre, on va leur dire, toi, tu ne vas pas combattre, tu restes en défense passive, si je peux dire, je ne sais pas, tu restes à la frontière, tu t'occupes, toi, d'apporter à manger et à boire aux guerriers, et aussi à réparer les chemins. On a besoin de travaux publics, on a besoin de manœuvres, mais tu ne vas pas, toi, combattre. Et il y a des gens qui vont aller combattre. Mishnah Bet, on avait appris les gens qui allaient partir et rester là-bas à la frontière sans combattre. Mishnah Gemel, les gens qui allaient, on allait appeler à combattre. Et à présent, on va apprendre quelles sont les personnes qu'on ne va même pas les appeler. On les exempte directement. Le principe était très simple. C'est lorsqu'on parle du mariage d'une femme, on avait appris qu'il y a des gens qui ont fiancé mais qui n'ont pas encore marié. Il y a des gens. Ça, c'est la Mishnah Bet. Les gens qui ont fiancé, qui n'ont pas encore marié, on va les appeler, on va leur dire toi. Tu t'es pas encore marié avec ta femme, tu ne combles pas, on veut que tu reviennes avec ta future, on parle de ta fiancée à l'époque avec les Gilouchines de la Torah. Tu as construit une maison, tu n'as pas encore commencé à habiter dedans, tu viens, tu attends, mais tu combats pas, tu restes en arrière. À présent, on va voir dans notre Mishnah, que si toutefois il a déjà marié à la femme, mais il est dans la première année, il a construit la maison, il est dans la première année, il a planté le verger, il est dans la première année, ou plutôt dans la quatrième année, parce qu'il faut attendre l'année de la quatrième que ce soit consommable. Alors là, on va lui dire, toi, tu ne viens même pas à la guerre, tu restes chez toi directement. À la différence du cas précédent, lui, il a déjà commencé. S'il a déjà commencé, il est en plein dedans, il reste. S'il n'a pas encore commencé, on l'appelle sans l'exposer au risque. Ok, c'est le principe. Et on fait très rapidement notre Mishnah. Ve'elu shenzanim zazin mimkoman. Telles sont les personnes qui ne vont même pas bouger de leur place. On va les laisser chez eux. Bana bait vachanacho. Il a construit une maison et il a commencé à y habiter dedans. D'accord ? Et j'ai pas compris pourquoi. Ah oui, il a commencé à habiter dedans, il a commencé à habiter dedans, mais il n'a pas encore habité un an. D'accord, j'étais un peu embrouillé. Et on continue ensuite. Nata Kerem Vechilelo, il a planté un verger et il a atteint la quatrième année. Il a commencé à manger les fruits, mais il n'a pas fini. Il est en plein dedans. Il est encore dans la quatrième année où les fruits ils sont kadosh, qu'on peut les racheter à la bûche et tout ça, c'est pour ça qu'on appelle ça les halel. On est dans la quatrième année du verger. Là, on va lui dire, non, toi, tu restes, tu profites maintenant de ton verger pendant toute l'année. Annoncez à ton certeau, de même aussi s'il a déjà marié sa fiancée. À connaître cette yevimto, de même aussi s'il a marié sa yevama, même principe. C'est la femme de son frère il est mort, son enfant, il s'est marié avec elle. Une fois qu'il est marié, on lui dit, toi, un an, tu restes avec ta femme. On ne t'appelle même pas à venir. Chez Ne'emar, comme nous dit le pasouk, Naki yeleveto, Shana Achat. Comme le pasouk nous dit à la fin, il nous conclut. On parle spécialement du mariage là-bas, mais justement, on va prendre que ça inclut tous les cas. Naki, yé, le veto, il sera naki propre, exempté. Exempté pour sa maison, il restera chez lui, shanahat, pendant un an. Donc ça dure un an, six soirs. Le veto, zebeto. Le veto, quand il y a marqué le veto, c'est pour te dire quand il a construit sa maison. Iye, zekarmo. Le mot iye, c'est pour inclure le verger. Mais simach et ishto, il réjouira sa femme. Cette fois-ci, là, on parle cette fois-ci. Du Zo Ishto, Asher Lakar qu'il a pris, la vie est Yevimto, donc on a pris tous les cas qu'on a évoqués précédemment, et tous les cas qu'on a évoqués précédemment, ça prend pendant un an, la Torah, elle a insisté en répétant des mots, pour nous inclure même tous les cas qu'on exempte pendant un an. Ve'enan me'esabkin ma'imon mazon, ve'enan me'teknin tadrachim, ces gens-là, qui ont déjà commencé à marier, ou qui ont déjà commencé à habiter dans leur nouvelle maison, et eh bien, on les appellera même pas pour, enan me'esabkin ma'imon mazon. Ils n'auront même pas à approvisionner d'eau et de nourriture, ceux qui font la guerre, ils restent chez eux complètement.
On va même pas les appeler non plus pour réparer les routes. On les exempte complètement. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Selchakoltou, c'est là.